I have the great pleasure of welcoming to our podium to speak to us a few words of encouragement. J'ai le joie de vous introduire le cardinal primat de l'Église du Canada, Monseigneur le cardinal Marc Ouellet. Je vous salue, vous tous qui êtes venus à cette manifestation, à cette marche pour la vie. I greet you all, those who have come from coast to coast to this manifestation of support to human life and of defense of human life. Je salue particulièrement ceux qui sont venus du Québec, où nous avons vraiment besoin d'un effort particulier pour refaire une culture de la vie. Je vous remercie et je salue en vous le courage de vous lever pour défendre les valeurs de la vie et de la famille. I greet in you your courage to stand up and to speak out for the values of life and family. C'est un grand besoin dans notre pays que des citoyens et des citoyennes de toute confession s'unissent pour réveiller la conscience de nos frères et sœurs en humanité. Le Canada est un pays merveilleux où il y a beaucoup de liberté, mais où certains de nos frères et sœurs n'ont pas droit de vivre. Et nous sommes ensemble pour affirmer leur droit de vivre. Ceux qui ne sont pas nés, ceux qui ont la dignité de personne humaine dès leur conception et à qui on nie le droit de naître et de se développer comme être humain pour enrichir notre pays. I thank you for standing up in defense of the unborn, those who cannot come to life, those who cannot develop and enrich our country because their right to be born is negated. Merci d'être ensemble et par la force de cette manifestation pacifique de transmettre un message à la conscience de notre pays. Notre gouvernement a eu le courage de résister aux pressions qui voulaient faire financer des programmes d'avortement dans les pays du tiers-monde. Nous l'appuyons. Nous appuyons ce qui se fait à l'étranger, ce qui se fera. We support this stance of the government not to finance abortion in countries of the third world. But we would like some more courage to do something more in Canada in defense of the unborn. The battle for life, the right for life, this battle is a spiritual battle, so we pray. It is also a cultural battle, and it is a juridical battle. So that's why we come together and we ask for justice. Nous demandons justice.
Nous demandons justice, que justice soit faite aux êtres qui sont les plus fragiles, qui sont sans défense, et nous parlons en leur nom. Et nous voulons aussi, dans le contexte actuel, protéger la vie jusqu'à la fin, jusqu'à la mort naturelle. Les décisions qui ont été prises ici au Parlement sont bonnes jusqu'à maintenant, mais la bataille continue contre l'euthanasie. Unissons nos forces. Let us be together. Let us also speak out in defense of life until the end. I thank you very much for your presence, your prayer, your solidarity, and I wish you and I wish our country that this March for Life be a moment of growth, a moment of creating new awareness about the value of life and family in Canada. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you very much. So another reminder that the washroom facilities are located on my right. Your